Svatopol, 37 ans, est une vedette de la jeune littérature tchèque. Féru de culture rock, apôtre des mouvements de l'underground à l'époque du communisme, il a écrit des paroles de chansons, des articles et des poèmes. Il a également fondé une revue d'avant-garde et s'est lancé dans le roman en 1994. Son deuxième, Ange Exit, vient d'être traduit en français aux éditions Robert Laffont. Ange Exit surprendra sans doute par sa facture chaotique, reflet de la vision pour le moins heurtée qu'a du monde son personnage principal, Yatek, qui ne dédaigne pas, il est vrai, l'usage de la coke. Messe de minuit à l'église Saint-Bruno. Et voici que l'on s'aperçoit que le petit Jésus de la crèche a disparu. Vérité ou hallucination? Yatek voit tout en rouge, les nuages comme ses voisins. Mais est-il à Paris ou de nouveau à l'hôpital psychiatrique? Yatek, comme Yarim Topol lui-même, a grandi dans une bibliothèque et pour rompre avec son milieu, il travaille dans un atelier de chauffage où son goût des livres le fait mal voir. Il se rend vite compte que le socialisme est une illusion, aussi sauvage que les combats que se livrent les rats qui grouillent autour de lui. Alors, le salut par les femmes, par Liuba, le régime s'effondre, le pays n'a plus de structure et le ciel est rouge toujours.